une première édition. C'est une proposition que nous a faite M. Éric Paulin au département et à la région pour organiser une grande manifestation ici ce week-end et nous avons tout de suite effectivement dit oui. Nous ne pouvons être que satisfaits de cette belle réussite aujourd'hui. J'ai pris un départ assez correct, j'étais troisième. Et puis après, avec la poussière, j'ai fait attention, j'ai pris mon temps et j'ai réussi à doubler les gars. J'avais encore du physique, donc j'ai roulé comme je savais faire et j'ai réussi à gagner, donc c'est top. L'organisation est top et tous les personnes à côté sont cool avec moi, donc c'est la folie. Ouais. C'est chaud, la poussière, c'est compliqué à respirer et tout. Et puis après, physiquement, c'est dur avec le soleil et tout. Et puis, ces dernières semaines, j'ai pas pu m'entraîner trop parce que j'avais pas mal de boulot. Mais bon, ça va, je suis pas mécontent quand même de ma prestation. Donc, ça va. Malgré tout, je tiens quand même. C'est important pour la ville d'être accompagnateur de ces manifestations. C'est une fierté pour nous, d'autant plus que aujourd'hui, on voit bien que les deux grosses collectivités sont avec nous. On ne peut qu'apprécier ces instants-là et le public était aussi nombreux aussi pour que le spectacle soit vraiment à la hauteur. Les participants ont bien pris du plaisir parce que la piste aussi, c'est toute une beauté et puis le paysage s'apprête aussi à ça. Super manifestation de motocross placée sous le patronage, le double patronage du conseil départemental et du conseil régional. C'est une façon aussi de démontrer tout l'intérêt du conseil départemental pour le sport mécanique. Et naturellement, le président Guy Losbard marque aussi tout son intérêt puisqu'il a souhaité que cette manifestation soit belle en mettant également un ensemble de moyens. Des moyens qui commencent aujourd'hui mais qui vont aussi perdurer puisque c'est aussi la volonté du conseil départemental d'accompagner sa jeunesse.